Freya, tu es dans ta chambre de dame de compagnie à Port-Réal, tu es sur ton petit lit à baldaquin. Et c'est une nuit très douce et tu as l'air frais qui vient du dehors depuis la baie de la Nera et qui fait flotter doucement tes rideaux dans ta chambre. Tu es réveillé par une sorte d'atmosphère étrange. C'est comme si l'horizon était un peu rosâtre, toute ta chambre est plongée dans un bleu nuit épais, mais tu sens que c'est un peu presque irréel. Tu es en train de te rendormir et tu entends une voix qui dit: Je reste à l'affût. Si c'est parce que je suis très fatiguée que j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. tu as entendu une voix. Il y a quelqu'un avec toi dans la chambre. Je reste figée. Tu entends Vali qui ronronne à côté de ton lit, qui est complètement en train de dormir. Tu fais vite du coin de l'œil un tour d'horizon de ta chambre, et tu vois qu'il n'y a personne. Et tu entends qu'il vient de la petite terrasse une voix qui dit: Cette fois, je suis sûre que j'ai pas rêvé, je suis pas dans un demi-sommeil. Je me lève, je caresse Vali. Au moment où tu t'approches de Vali, tu vois que sur le lit, il y a une forme qui est allongée et tu te vois toi en train de dormir. J'ai un mouvement de recul, panique. Vali se réveille et en fait il ne te voit pas, mais il grogne un peu dans ta direction. Il comprend pas trop, comme si il te voyait pas du tout. Je continue à me lever pour aller vers l'extérieur. Je sais ce qui est en train de m'arriver. Je pensais vraiment avoir réussi à enfouir ça tout au fond de moi. J'étais plutôt bien sans ces rêves-là. Pendant que tu sociabilisais pendant ces 3 ans à Haut-Jardin, loin du nord et loin de la capitale, tu n'as jamais eu de rêve et c'est la première fois que ça t'arrive depuis très très longtemps. Donc tu approches de cette terrasse, tu te retrouves sur ce petit balcon et dans le coin de ton œil, tu vois une personne avec une grande robe noire qui est assise sur un petit banc en pierre qui regarde par-dessus le balcon l'horizon et la mer qui s'étend au loin. Tu reconnais évidemment Andrew Estremont qui te dit: bonsoir, frère. Je vais me mettre lentement à côté de lui sur le banc. Je m'assois. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus, Freya. Je ne peux pas dire que ça me manquait, Andrew. Les problèmes d'hier sont malheureusement toujours les mêmes qu'aujourd'hui. Tu as changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'aimerais dire que toi aussi. Mais bon. Toi, tu es mort. Il y a un moment où son visage devient un peu fermé, un peu blême, comme s'il apprenait en fait la nouvelle. Il dit: le suis-je? Pourquoi tu es là? Si je suis mort, je ne le suis pas encore à l'époque où je fais ce rêve, et depuis l'époque où je te parle. Je viens juste te prévenir par courtoisie, Freya, que je n'en ai pas fini avec toi. Par courtoisie, il n'y a jamais rien eu de courtois dans ta façon de t'adresser à ma famille. Tu nous as lourdement trahis. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'a pas été de gaieté de cœur, mais je fais ce que j'ai à faire pour sauver Westeros. Et à ce moment-là, tu vois que tout devient fou autour de toi, comme si t'étais pressé par une sorte d'espèce d'énorme air. Tu tombes en arrière et tu t'écroules dans les draps de ton lit dans lesquels tu te réveilles en panique. My king is gone away. The bells are tolling for winter's hounds, and there is no say brave enough to make tomorrow a glory.
Freya et Serra, vous êtes dans les jardins de Port-Royal qui ont été aménagés pour le grand mariage. Vous n'avez pas le droit de monter directement sur la scène ni de rejoindre l'ensemble des convives, les milliers de convives qui sont tous magnifiquement apprêtés pour assister au mariage de la reine Margaerie avec Geoffrey Baratheon. Le matin, vous avez tous rendez-vous dans le grand sanctuaire de Baelor dans lequel les sept promesses, les sept vœux, les sept bénédictions ont été prononcées. Et après avoir embrassé langoureusement sa promise, tout le cortège a suivi Geoffrey et se sont rendus directement sur le site du mariage où la fête va avoir lieu. Vous deux, vous êtes un petit peu dans les coulisses de ce mariage, vous êtes à la suite de Margaerie qui a l'air complètement paniquée parce qu'elle est en train de gérer plein de choses, elle s'inquiète du repas qui va venir, elle est en train de vous dire que certaines tartes, elle veut qu'elles soient servies avec une cuillère de citron et elle est complètement estomaquée face à la mauvaise qualité des fleurs de Port-Réal et elle vous dit nous aurons dû faire directement venir des fleurs de Haut-Jardin. Et en disant ça, elle vous regarde presque quasiment pas, vous voyez qu'elle est complètement dans sa bulle. Ne vous inquiétez pas, Margaerie, tout se passe bien, tout s'est très bien passé et on ne se souviendra pas des fleurs. Tout va bien. Bon, si tu le dis, Freya, si tu le dis. Vous voyez qu'arrive vers vous, il s'avance vers vous aux côtés de Daemon, cette petite créature horrible qui est magnifiquement habillée pour l'occasion, Tyrion Lannister, l'oncle de Geoffrey. Qui s'approche de vous et de Margaerie, de votre petit cortège. Ah, Dame Margaerie, vous êtes vraiment tout en beauté aujourd'hui. Les dieux vous ont gratifié d'un magnifique soleil pour ce beau mariage. Et merci, Lord Tyrion. Elle a l'air un peu toujours dans sa bulle, toujours un peu concentrée sur ses affaires. Dame Margaerie. Freya. Dame Freya, je souhaitais vous parler en privé. Est-ce que cela vous dérange de vous libérer quelques minutes? Et tu vois qu'à ce moment-là, Margaerie, elle te jette un regard froid, plein de sous-entendus. Je pense que je dois rester avec Margaerie pour l'instant. Elle a besoin de moi. En êtes-vous sûr? Il me semblait que vos affaires familiales étaient très pressantes. Il est vrai, peut-être quand Margaerie aura décidé que ce sera le moment. Bien, vous m'envoyez navré. J'imagine que nous pourrons parler affaires après le mariage, dans ce cas-là. Merci. Daemon, et puis il t'invite et vous rendez tous les deux vers le lieu où la cérémonie a lieu. Vous voyez déjà les cris des convives qui sont recouverts par la musique qui se dégage de tous les groupes de ménestrels et de troubadours qui ont été engagés pour l'occasion. Margaerie, elle te dit merci, Freya. Il me déplaît de te voir fricoter avec... le grand argentier. J'apprécie ta fidélité. Je vous en prie. Elle a l'air agréablement surpris par la décision que tu as prise et tu vois qu'elle part vaquer à ses occupations. Voilà, et vous êtes toutes les deux. De tous les coins de Westeros, vous avez des convives qui défilent devant vous. Vous voyez toutes ces magnifiques capes, ces héraldiques voilà, qui sont souvent très tape à l'œil. C'est vraiment une monstration, ce mariage où tout le monde essaie de se montrer son meilleur jour. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Vraiment, vous assistez à un défilé de personnes extrêmement bien habillées. Enfin, c'est l'opulence la plus totale. Il y a 77 plaques qui sont prévues pour ce mariage. C'est l'occasion d'une vie, et malheureusement, toutes les deux, vous ne pourrez pas y assister directement. Quand je vois toutes ces festivités, un mariage royal, c'est la chance d'une vie, et nous, nous sommes là, en arrière, alors que nous sommes les dames de compagnie de Lady Margaerie. Je suis désolée, Serra. Tu sais que j'ai essayé, Elle a vraiment pas apprécié hein, ce que tu as fait avec... Tyrion Lannister, tu sais, le pacte économique. Je me souviens, oui. Oui. Je pense que t'as vraiment bien fait de ne pas le suivre quand il te l'a demandé alors qu'elle était juste là. Ça n'aurait pas arrangé la situation, je pense. Ça devient un peu compliqué, tu sais, entre choisir entre Margaerie, choisir avec ma famille, je sais plus. Je vois ça, Freya, mais là, je pense que tu peux un peu sentir les conséquences de tes actes et qu'il va falloir que tu choisisses parce que... Merci pour ton soutien, en tout cas, Serra. C'est-à-dire ? Les conséquences de mes actes. Oui, je sais, j'ai fait des choix que tu ne comprends pas spécialement, mais j'aurais aimé un petit peu plus de soutien, peut-être. Je suis navrée que tu ne puisses pas assister à ce mariage. Je suis navrée de te faire louper cette chance d'une vie, comme tu dis. Mais il se joue d'autre chose. Ma famille risque d'être anéantie. Eh bien, moi, je n'ai pas passé de pacte économique avec Lord Tyrion, je n'ai rien fait, et je ne peux pas assister au mariage royal. Mesdames, est-ce qu'il y a un problème? Vous entendez cette espèce de voix sirupeuse, douce, tranquille, un peu inquiétante, et vous avez qui s'est campé face à vous,
Un homme dans une magnifique armure noire avec une grande cape rouge qui a l'air de claquer au vent derrière lui. Il a une grosse barbe blonde et des cheveux tirés en arrière. Il n'est pas extrêmement grand, mais vraiment il s'est arrêté devant vous et vous avez un peu son regard glacial qui s'est arrêté juste devant vous. Monsieur, nous n'avons pas le plaisir de vous connaître. Il te regarde toi, Freya, comme ça, mais de haut en bas, comme ça il te scrute. Mais moi je crois avoir le plaisir de deviner qui vous êtes. Vous êtes les dames de compagnie de Marjorie Tyrell. En effet, peut-on avoir votre prénom ? Vous avez les cheveux de flamme des femmes du Nord. Il est vrai que vous êtes fort charismatique. Je comprends mieux les choses à présent. Il serre la mâchoire comme ça, il se retourne, et en fait tu vois que claque derrière lui sa grande cape, sur lequel tu as une énorme salamandre noire qui baigne dans des flammes. C'est évidemment le blason des Belian. Daemon, tu vois ton père qui est en train de parler à Freya. Ce qui te crée un léger moment de panique, connaissant un petit peu ton père. Astrée, tu arrives sur le site du mariage et tu vois à côté de toi Daemon qui est avec Lord Tyrion qui a l'air un petit peu troublé. Et Daemon, lui, ne fait pas du tout attention aux troupes de Lord Tyrion parce qu'il est concentré sur Freya. Tu le vois qu'il la regarde de loin. Parce qu'il y a un homme en armure noire avec une grande cape d'Ébélienne dans le dos qui est face à elle et qui a l'air de discuter avec elle. Daemon. Astrée. Vous avez le regard troublé. Y a-t-il un problème ? J'ai pas véritablement envie de vous parler, Astrée. Excusez-moi. Je suis pourtant enchantée de vous retrouver ici. Pas moi. La journée est pourtant belle, mon cher époux. Vous devriez sourire. Il y a une très grande femme qui apparaît à côté de Daemon, qui est dans une magnifique robe blanche tachée d'hermine, avec des lignes rouges qui ont été cousues dessus. Sa robe est à l'effigie de la famille Roseby, qui est une grande famille très très riche des terres de la couronne. Oui, c'est cette grande femme brune qui n'est pas un canon de beauté westerosien, mais qui dégage quelque chose d'extrêmement impressionnant, extrêmement glacial, notamment par sa stature, parce qu'elle est très grande. Et vous voyez qu'à sa suite, il y a une servante qui tient dans ses bras un petit enfant blondinet, et dans sa main, un petit enfant qui doit avoir 2 ans à peine, qui a les cheveux très sombres comme sa mère. Lui, il répond pas, je me tourne directement vers mon enfant, je le prends dans mes bras. Et je commence à le cajoler et lui faire un bisou. Ça t'a manqué peut-être tes responsabilités de père. Je fais ce que je peux. Eh bien, tu n'en fais pas assez. Elle regarde Freya et à une dizaine de mètres, tu sens un regard cruel, extrêmement dur, qui te perce complètement. J'ai vu du coin de l'œil ce qui se passait et c'est douloureux. C'est douloureux de voir Daemon avec sa femme, avec ses enfants. Même si je sais qu'il n'y a pas d'amour entre eux, c'est... ça fait mal. Je me rends compte de la situation. Je prends mon enfant directement. Allez, profitons de la fête. Allons-y, venez, je les éloigne. Tu as ramené ta putain au mariage ? Arrête. Combien de temps vais-je être insulté comme cela, Daemon ? S'il te plaît, profitons de la fête. Oui, je crois que tu as déjà bien profité. Il était temps que je te rejoigne. Et il y a ton père qui arrive, qui a entendu un petit peu la fin de la conversation. Fils, tâche de te montrer à la hauteur de cet événement. Bien sûr, père. Ne nous embarrasse pas en discutant avec elle. Donc, tu jettes un dernier regard, Freya, et vous partez vers le site du mariage. Donc toi, t'as été témoin de tout ça, Astrée. Tu vois même qu'il part et il laisse un peu Tyrion qui a l'air un peu dans ses pensées. Et Tyrion, il te dit « Ah, Dame Astrée, si jamais vous croisez le chemin de Dame Freya qui a l'air bien occupée, dites-lui que le papier sur lequel nous sommes mis d'accord l'attend sur mon bureau, dans le coffre personnel de Marjorie Tyrell. » Très bien. Et vous vous étiez mis d'accord sur... Ça, cher ami, ça ne vous regarde pas, mais c'était bien essayé. Et il part vers le mariage.
Donc, bah, vous, les filles, vous restez parmi les serviteurs, voilà, avec cette petite tension qu'il y a entre vous, pendant que Daemon, avec ta femme Nira, ainsi que tes enfants, vous allez vous installer sur ce magnifique banquet. Il y a des milliers de convives qui sont réunis sur des tables magnifiquement ornées, magnifiquement agencées de fleurs. On a déjà commencé à servir les premiers plats. 77 plats, c'est complètement gargantuesque, c'est complètement honteux quand on sait un petit peu les conditions de vie dans lesquelles vivent le reste des habitants de Port-Réal. Et donc vous cherchez un petit peu vos places. Toi, Daemon, tu la trouves assez rapidement et tu vois qu'à ta gauche, on a installé ta femme, puis ton père. Et à ta droite, tu vois qu'il y a un petit écriteau avec marqué Astré Colbier. Et donc pour ce mariage, tu te retrouves bien entouré. Il faut absolument que je garde la face, il y a mes enfants, il y a ma famille. Et puis même pour Freya, il faut... Il faut pas que je m'effondre parce que je sais qu'elle regarde et je sais que ça pourrait lui faire mal, donc on va rester digne. Et Astrée qui va être à ma droite, donc il faut certainement pas que je montre la moindre faille, donc on va rester fort. Et à ce moment-là, j'arrive et je m'installe. Tu as cette femme en habit d'hermine qui te dit « Dame Astrée, j'ai entendu dire que vous étiez très proche de la reine Cersei. » Je suis sa suivante, effectivement. Je suis navré de vous infliger la présence de mon époux à vos côtés. Ça me fait pourtant très plaisir. Ah, finalement, je retire ce que j'ai dit, ça me fait bien plaisir que vous soyez là. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Daemon? La situation globale. Tu vois qu'elle, à côté de toi, ta femme, elle a des pensées noires, elle est en train de ronger son frein et vraiment d'être à tes côtés. Je sens qu'elle est extrêmement agacée quand ton père est très digne, va saluer des gens. Il est en train de serrer des mains, d'essayer de faire attention à tout. Tu vois aussi à une table qu'on a un petit peu isolé les Dorniens, qu'on les a mis très très loin des Tyrell, parce que souvent il y a des conflits de frontières entre ces deux communautés. Et tu vois Oberyn Martell qui est à la table de Dorniens, qui est avec son amante Elaria Sand, qui l'exhibe, mais vraiment sans aucune pudeur. Ça ne se fait pas très clairement de ramener son amante, surtout à un événement aussi prestigieux. Mais tu vois qu'il est en train de trinquer et vraiment, vous sentez qu'il y a une ambiance qui commence à se lancer. Tous les convives commencent à rire, à crier, à chanter à tue-tête avec les ménestrels et avec il y a des chansons paillardes qui sont chantées. Vous entendez que les ménestrels essaient de faire plaisir à Tywin Lannister. Vous entendez les pluies de Castamere, enfin des chansons qui sont très connues comme ça que tout le monde prend à tue-tête. Vous voyez le jeune Joffrey Baratheon qui n'a que 13 ans. Qui a cette grande couronne d'or sur la tête, qui soulève un immense calice de vin et qui dit « Pour ma femme, pour la reine, pour Margaery !» Et t'as toutes les tables qu'elles prennent en cœur « Pour Margaery, pour Margaery, pour Margaery !» Et là, le banquet est vraiment lancé et tout le monde commence à déguster. Vous entendez ça de loin, et les filles, et vraisemblablement, vous êtes très loin de cette belle ambiance. Vous êtes parmi les serviteurs et les cuisiniers qui sont en train de préparer absolument tous les plats somptueux. Juste à côté de vous, il y a une énorme tourte monstrueuse dans laquelle vous entendez les piaillements de colombes qui ont été placés à l'intérieur. Ça reste très froid entre nous. J'ai pas spécialement envie de lui parler. Vous avez cette toute petite vieille femme rabougrie, voilà, qui est très joliment vêtue d'une robe verte avec des roses d'or dessus. C'est la grand-mère de Margaery qui s'approche de vous et qui vous dit « Eh bien, les filles, tout se passe bien. » Très bien, oui, merci. Absolument. Tu navrais que vous ne puissiez pas assister au mariage, mais au-delà de ça, tout se passe bien pour vous, les filles à Port-Réal. Oui, tant que possible. Tant que possible, d'accord. Et toi, Freya? C'est différent. Et elle te prend les mains, et elle a un regard assez appuyé, un peu profond, tu vois, qu'elle prend le temps de te parler, de t'écouter. Je sais, frère, je sais. Port-Réal est un nid de serpent. Faites attention à vous. Merci. Elle rejoint le cortège, à côté d'elle, il y a son petit-fils Garland Tyrell, qui est un chevalier avec une stature assez exceptionnelle, voilà, qui vous salue, et qui l'accompagne pour aller rejoindre... l'estrade. Vous deux, vous avez le regard plongé dans une tourte au poisson et au citron qui exhale une odeur tout à fait satisfaisante, mais Daemon, tu as peut-être l'appétit un peu coupé. Alors Astrée, on est où des plans machiavéliques en ce moment? Comment vous avez réussi à faire mal à quelqu'un récemment? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je pose simplement des questions, savoir comment ça va votre vie en ce moment.
Tout va très bien. D'accord. Je vois que peut-être pour Freya, ça va un petit peu moins bien. Elle n'est pas attablée avec nous. Daemon. Si tu oses prononcer son nom, tu te rêveras un matin avec sa tête tranchée dans tes draps. Navré, Damastré, il semble que mon cher mari ait eu quelques écarts en mon absence. Si un jour vous êtes amené à vous marier, je vous inviterai à faire attention à la personne que vous choisissez. Je suis navré, je ne savais pas. Si tu es la moitié d'un homme, Daemon, tu tiendras ta langue pour le reste du repas. Moi, je suis très satisfaite. Papa, papa! Donc t'as Mary qui se cramponne à toi comme ça, qui a une petite épée de bois, il dit « Je peux aller jouer là-bas avec les autres !» Tu vois un groupe de gamins qui sont en train de se taper dessus avec des épées en bois, comme ça, en train de refaire la bataille de la Nera. Bien sûr. T'as ce bambin de 2 ans qui claudique un peu, qui tombe au moment où il essaie de rejoindre les autres enfants. J'ai été très faible d'accepter que tu nommes nos 2 enfants. Ce soir, si tu en as le courage, tu me feras un autre héritier. Et cette fois-ci, je choisirai le nom d'un futur Rosby. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste apporter un peu de légèreté à cette soirée? Oui, ce serait tellement simple après que tu m'aies si honteusement insulté. Je ne t'ai pas insulté. Ira, Daemon m'a promis que la relation épistolaire s'était arrêtée. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela qu'il était si entrain à rester à Port-Réal depuis que cette fille est arrivée. Tout est clair, Nira. Tout est clair. J'ai absolument tout clarifié. Je suis là pour nos enfants. Je suis là pour toi au quotidien. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait, Nira? Que tu assumes ton rôle de futur seigneur, Daemon. J'assume mon rôle de futur seigneur, Nira. Pour l'instant, je ne te vois que fuir tes responsabilités. Je fuis rien du tout. Je n'ai jamais fui. Jamais. Ça fait un moment que tu fuis. Si je n'étais pas venu avec nos enfants, combien de temps aurais-tu encore fui? Combien de temps avant qu'un bâtard se retrouve dans le corps de cette putain? Ne l'appelle pas comme ça. Je n'ai que faire de cette putain. Nira, très cher, calmez-vous, calmez-vous. Il sait ce qui est en jeu. Elle se lève, elle se bat. Alors lui, il se rapproche de toi comme ça. Il dit Navré, Damastré, pour ces chamailleries. J'espère que nous n'importunons pas trop votre dîner. Absolument pas. Il n'y a aucun problème. Ça vous plaît? Ça devrait. Non, je vois un petit sourire narquois. Bon, je suis ravie d'être invitée à ce mariage royal et je profite du moment malgré qu'il y ait des frictions. Est-ce que ça vous arrive juste d'avoir un peu de compassion? Pour vous? Pour les gens, de manière générale, j'en ai jamais vu de votre part. Vous n'êtes pas toujours avec moi. Sois digne, Daemon. La charge qui est la nôtre n'est pas la plus aisée, mais nous avons des responsabilités à assumer. Pour les gens que nous devons protéger, pour nos serfs et toutes les personnes sur nos terres. Je sais bien. Je ne sais que trop bien. Damastré, puis-je vous inviter à danser? Avec grand plaisir. Et donc t'as cet homme dans cette grande armure noire qui est ultra tape à l'œil. Je veux dire, les gens sont bien habillés, mais vraiment, l'armure des Bélianes, c'est des fioritures, c'est des rubis dessus. Une armure noire avec cette grande cape noire avec des flammes dessus. Enfin, c'est... On ne voit que lui au milieu de tous les convives et il t'invite du coup, il t'invite à danser. Vous avez un petit peu un groupe qui se met à danser et rentre au milieu des convives. Les portes sont ouvertes et vous voyez qu'il y a 2 nains qui sont habillés de pied en cap comme des chevaliers, qui sont montés respectivement sur un grand chien gris et sur une truie tachetée qui est en train de pousser des grognements horribles. Et les deux ont des espèces de lances de joues d'apparat et se frayent un chemin au milieu des convives, ce qui fait s'esclaffer vraiment tous les invités. Sauf que vous voyez évidemment sur l'estrade Tyrion Lannister qui devient livide et vraisemblablement qui se décompose face
à cette légère insulte. Les deux nains commencent à rentrer dans un jeu de cabriole où ils se rentrent dedans, mais les deux tombent. Quand ils remontent sur leur destrier, ils ont échangé leurs armes et leurs destriers, ainsi que leurs écus. Enfin, d'un coup, ça devient un petit peu le centre de l'attention. Tu continues de danser, mais tu sens bien que toute l'attention des convives est focalisée là-dessus. Moi, je profite justement du spectacle, pour que tout le monde se tourne vers ça. Je m'adresse à Lord Belian en terminant la danse. Je suis navrée, je vais devoir m'absenter quelques instants. Je vous en prie, Damastré. C'est un plaisir de vous accompagner dans cette danse. Et là, je me faufile pour sortir et rejoindre Freya et Sarah. Tu te faufiles dans les coulisses et tu rejoins les deux filles qui ont l'air de piétiner un petit peu, voilà, loin de la fête. Alors, Freya, vous passez une agréable soirée ? Un délicieux moment, Astré. Et vous ? Très bien, très bien. Les plats sont excellents. Je suis en belle compagnie, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai pu voir, oui, effectivement. Quelqu'un est venu me voir pour m'adresser un message pour vous. Mm-hmm. Mais pour vous le donner, je souhaiterais savoir de quoi il s'agit. Comme ça, Astré, je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Sans aucune information, sans savoir d'où provient le mot, qui vous l'a dit. Il vient de Lord Tyrion. Ça vous intéresse ? À votre avis. Si vous me faites chanter. C'est à vous de voir. Je me disais, est-ce que pour une fois, Astré, vous pourriez faire quelque chose qui est complètement désintéressé ? Vous savez, Freya, que la bonté n'est pas ma qualité première. On peut toujours espérer. En revanche, je serais d'accord de vous donner cette information et que vous puissiez me rendre l'appareil. Disons que vous m'en devrez une. Donc vous me donnez l'information dont j'ai besoin sans que j'aie à vous dire quoi que ce soit. J'aimerais quand même savoir ce que vous manigancez avec Tyrion Lannister. Rien n'est manigancé, tout est su par absolument tout le monde. Je suis surprise que vous ne soyez pas au courant. Peut-être que vous n'êtes pas si proche que ça avec Cersei. Peut-être pas. Peut-être pas. J'essaie simplement de sauver ma famille. Donc vous avez donc passé un accord avec Lord Tyrion ? C'est ça ? Les conclusions de cet accord vous attendent dans ces appartements. Vous avez toute la scène qui s'esclaffe face à ces deux nains qui sont en train de jouter. Et il y en a un qui se fait jeter à terre, du grand chien gris. Et vous voyez Geoffrey qui est déjà bien enivré, voilà, avec sa couronne sainte sur la tête, qui dit « Attendez, il nous faut un nouveau champion! Mon oncle, me ferez-vous ce plaisir, s'il vous plaît? Il nous faut un champion pour défendre notre honneur et l'honneur de notre famille !» Et vous voyez Tyrion qui se noie comme ça dans son verre, qui marmonne hein, « Je veux bien, mon roi, prendre ce rôle-là, si vous acceptez d'être mon opposant. »« Eh bien, pourquoi, mon oncle ? Je ne suis pas un nain. Là n'est pas ma place. Pourquoi est-ce que je joue avec vous ?» Vous voyez Tyrion qui monte debout sur la table, avec ses petites pattes arquées comme ça, et qui dit « Mais parce que vous êtes la seule personne ici dans cette assemblée que je suis sûr de battre. » Et il y a un silence. Vraiment, qui se répand. 1000 personnes qui se taisent d'un coup, un silence glacial. Et quelques secondes après, tout le monde explose de rire. On se roule par terre de rire. Et Tyrion, très content de son petit trait d'humour, se rassoit à sa table. Et là, les choses s'enveniment assez rapidement. Voilà, vous voyez que, évidemment, la fête reprend son cours. Mais tu vois ton père, qui est assez estomaqué comme toi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez le prince Geoffrey qui s'approche de Tyrion avec son immense calice rempli de vin et qui lui renverse complètement dessus. Et vous voyez que Tyrion, d'un coup, il est recouvert complètement de vin. Son bel habit liseré de blanc est complètement taché. Vous voyez que ça choque Garland Tyrell qui était juste à côté. Ils ont l'air de discuter et avoir une conversation assez animée. Vous n'entendez pas ce qu'ils se disent. Vous sentez que la situation est en train de s'envenir. Freya, vous feriez bien de profiter de cet esclandre pour filer dans les appartements de Tyrion. Pour le moment, je reste là.
Donc tu attends, d'un coup tu vois un soldat Lannister. C'est le soldat Lannister que vous avez croisé dans les jardins, qui vous avait arrêté toutes les deux. C'est un capitaine Lannister qui s'approche de toi, qui vous voit tous les deux et qui fait hey, « Hé, toi là, approche-toi !» C'était toi dans les jardins hier soir, il t'attrape par le bras, mais un petit peu violent. Voilà, c'est rare, t'assistes à ça juste à côté de toi. Astrid aussi, t'es un petit peu loin, mais toi il t'a pas vu. « Où est Damian ? Je ne l'ai pas revu depuis qu'il vous a croisé !»« Lâchez-moi, doucement !»« Où est Damian ? Lâchez-moi !» Tu vas me suivre, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui rentre dedans, et tu vois un des deux marchands qui était là quand vous avez effrayé avec Tyrion, le plus grand des deux, le plus élégant, qui lui est rentré dedans, qui s'est renversé son verre de vin complètement sous sa chemise. « Ah, c'est pas vrai ! Et toi, la servante, va me chercher une serviette ou de quoi m'éponger. Non, j'ai affaire avec elle. Mais tu crois, capitaine, quoi, que j'ai du temps à perdre avec vos petites histoires ? Je suis lord, servante, va me chercher une serviette. N'est pas mieux à faire que d'agresser les dames de compagnie. Venez, vous là, vous allez vous occuper d'avoir ruiné ma chemise. » Et du coup, il te chope aussi violemment par le bras et il te traîne un petit peu, un peu plus loin. Et tu sens le capitaine de la garde Lannister qui bouillonne derrière. Regarde toi. Et qui tourne les talons, parce que vous voyez que tous les regards sont tournés vers lui. Il sent un petit peu cette pression sur le regard des gens et cette pression sociale, et il part. Très vite, il te lâche le bras. Voilà, c'était une fausse poigne, et il te tenait pas violemment, il te relâche. Moi, je continue à les suivre du regard, parce que j'ai vu qu'il l'avait. J'ai compris de loin qu'il avait plutôt essayé de l'aider et qu'il faisait semblant de la tenir fortement par le bras. Astrée, tu arrives à les suivre discrètement, à te mouvoir dans la foule, à te cacher de leur regard. Ils sont pris dans leur conversation et tu arrives à te cacher derrière une tenture pour écouter un petit peu leur conversation. Eh bien, Dame Forrester, il semble que j'ai ruiné une parfaite, magnifique chemise de mariage pour venir à votre secours. Merci, Lord... Rickard Morgreen. Je suis marchand, nous sommes déjà croisés, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous étiez présent lors des discussions pour le bois de ferrugie, c'est ça ? Vous m'avez volé sous le nez tout un commerce de bois de ferrugie. Considérez-moi impressionné. Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Bon, je ne sais pas ce qu'il vous voulait, ce capitaine des gardes, mais j'imagine que nous avons tous nos choses à cacher à Boréal. En réalité, je ne vois vraiment pas ce qu'il me veut non plus. Tu vois qu'il est clairement un peu dans ton mensonge. Pas obligé de m'avouer quoi que ce soit, mais je suis quand même impressionné. Je me suis demandé qu'est-ce que vous aviez proposé à Tyrion pour qu'il vous propose un décret royal et qu'il se débarrasse de nous. En réalité, nous avons simplement discuté. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'imaginez pas qu'il a un intérêt particulier dans l'histoire. Il ne vous a vraiment rien demandé en échange. Je me demande comment une dame de compagnie de Margaery Tyrell pourrait lui être utile à l'avenir. Pour être tout à fait honnête. Nous avons simplement discuté, j'ai été la première surprise de la tournure que prenait la discussion. Je vois que vous êtes bien entraînée à ce petit jeu de faux-semblants, mais vous ne trompez personne, Dame Freya. Vous savez évidemment que Tyrion Lannister vous demandera des faveurs en échange. Probablement, mais je ne les connais toujours pas. Vous ne voyez pas en quoi évincer deux marchands et travailler avec vous sur le commerce de ferrugier peut lui être avantageux ? Je préfère peut-être simplement travailler avec les Forrester. Vous êtes une belle âme, mais personne n'est dupe. Tyrion est grand argentier. Il pousse les choses dans les directions qui lui arrangent. J'imagine que s'il a préféré travailler avec vous plutôt qu'avec des marchands expérimentés, c'est peut-être aussi qu'il espère obtenir de meilleurs prix en faisant affaire avec vous plutôt qu'avec nous. Et vous, pourquoi êtes-vous venu me sauver ? Vous avez peut-être besoin d'alliés dans Sonnet de Vipère. Pourquoi ne pas nous associer pour contrôler le prix du bois de ferrugier ensemble ? Il y a un sacré paquet d'or à faire, je ne vais pas vous mentir, et ben, mes intérêts m'y ramènent toujours. Je ne suis vraiment pas la meilleure placée pour discuter de... du commerce du bois de ferrugier. Je me suis retrouvée là-dedans sans réellement le vouloir. Dame Freya, il va falloir vite endosser vos responsabilités. Sinon, les autres choisiront pour vous. Mon collègue Lord Andros avait l'air très déterminé pour récupérer ce bois de ferrugier et le vendre sous l'égide de Lord Whitehill. Comment vous êtes-vous retrouvé avec lui d'ailleurs ? C'est un collègue, un partenaire. Vous le connaissez depuis longtemps ? Assez pour me dire qu'il peut être efficace en la matière. C'est un butor, mais en tout cas, il peut être efficace. C'est moi qui l'ai mis directement en relation avec Lord Whitehill. Bref, je ne vous dérange pas plus, réfléchissez à ma question et nous rediscuterons de cela plus tard.
Et du coup, il tourne les talons, il s'en va. Vous en êtes au 13e ou au 14e plat, et en fait, tu vois que ton père, quand il attrape une fourchette démon, tu vois qu'il l'a fait tomber, et t'as sa main qui se met à trembler comme ça, de manière un petit peu répétée, et il s'attrape le poignet comme ça. Tu sens qu'il grogne, et il essaye de cacher le fait que sa main, elle tremble violemment. Ça va, père ? Ça va, fils. Ne fais pas attention. J'ai que peu dormi hier soir. Et j'aurais dû faire plus attention. Tu vois qu'il la met sous la table comme ça et il se maintient. Et il essaye d'éviter le regard des gens. Tu sens qu'il est très gêné par ça, très très gêné. Je connais bien mon père et je sais que je ne vais pas l'incommoder avec ça dans cette situation-là. Donc j'arrête d'en parler. À ce moment-là, sur la scène, vous voyez le roi Geoffrey qui est en train de plonger sa main dans la tour, qui est en train de il n'arrête pas d'en manger dans la vallée comme ça. Il boit, il mange, il boit du vin, et vous voyez d'un coup qu'il a l'air de pas se sentir très très bien. Et vous entendez d'un coup Marjorie à côté qui pousse un petit cri qui dit « Il s'étouffe, aidez-le, il s'étouffe !» Et vous voyez Olenna Tyrell qui se lève et qui dit « Mais enfin, aidez votre roi, vous voyez pas qu'il a un problème ?» Alors il y a Garland Tyrell qui se lève, qui court aux côtés de son roi, qui commence à lui mettre des grandes claques dans le dos, et d'un coup tout va extrêmement vite. Vous voyez tout le monde qui se lève, vous entendez des cris de panique puisque la situation n'a pas l'air de s'améliorer, vraiment. Vous voyez le jeune roi Geoffrey qui tombe au sol à genoux, qui se met à convulser, il commence à se labourer la gorge de ses ongles. Vous voyez son visage qui devient noir, vous entendez le grand Septon qui commence à crier une prière, vous avez la reine Cersei qui court vers son fils et qui aidez-le, vous avez un homme de la garde royale qui lui enfonce une cuillère en bois dans la bouche pour essayer de lui retirer ce qui lui bloque la trachée. Vous voyez vraiment tout son visage qui devient noir, il y a de la bave qui commence à couler sur le côté de ses lèvres, vous voyez vraiment tout le monde qui se met à hurler, à paniquer. Il y a énormément de convives qui essaient de s'enfuir, qui essaient de quitter cet endroit de malheur le plus vite possible. Vous avez tout le monde qui se bouscule, vous avez des tables qui se renversent. Je me lève dans la panique, je suis dans la foule, je cherche Mary absolument, je crie Mary, Mary. Tu vois qu'il est avec d'autres gamins, t'arrives à t'en emparer, et là ton père qui te pose une main sur ton épaule, qui a récupéré l'autre enfant, qui a récupéré Andrea. Il te dit, fils. Il regarde le roi Geoffrey et il dit... Il va mourir. C'est une cacophonie monstrueuse. Vous entendez la respiration du roi qui est complètement suintante. C'est comme si on essayait de faire d'entrer le courant d'une rivière dans un bambou de bois. Et le bruit qui suit est encore plus terrifiant parce que d'un coup on n'entend plus rien. Et vous avez ce jeune homme qui se laboure la gorge, qui l'a mis en sang pour essayer d'attraper une goulée d'air. Et quelques instants après, tout est allé si vite. Mais cette scène horrible est terminée. Et vous avez le roi Geoffrey et son visage cramoisi noir qui repose dans les bras de sa mère qui pousse un cri de détresse horrible. Les bras de tous les convives qui sont à côté tombent. Vous avez un silence monstrueux qui s'abat sur toute la scène. Vous voyez Tyrion Lannister qui ramasse cette grande coupe qui était au sol, qui se met à la renifler. Et vous avez la reine Cersei qui pointe un doigt horriblement accusateur vers lui en disant « Saisissez-le ! Saisissez-le ! C'est lui et sa catin du Nord qui ont tué mon fils ! Attrapez-le !» Et vous voyez du coup toute la garde royale qui s'empare de Tyrion. Vous avez entendu ces cris-là, Serra, Freya, vous êtes un petit peu hébété par rapport à ce qui s'est passé. Et vous voyez qu'on amène Tyrion enchaîné. Il vous passe à côté, il a l'air complètement un petit peu aphasique, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Quand il te croise, il croise ton regard et il le rebaisse tout de suite. Et vous voyez qu'il est emmené au loin par les gardes. Tu as Rickard Morgrim qui s'approche de toi, qui te dit « Je suis navré, mais je pense que notre coopération doit être remise à plus tard. J'ai l'impression que ce n'est pas un bon moment pour être associé à Tyrion Lannister. » Je reste choquée de tout ce qui vient de se passer. Je cherche Margaery du regard. J'espère que rien ne vous relie à Tyrion, puisque cela pourrait jouer grandement contre vous. Vous n'avez pas encore le sens des affaires, Dame Freya, mais vous avez tout de même la tête froide. Ce serait dommage de l'avoir planté au bout d'une pique. Et il se retourne et il s'en va. Là, j'ai tout entendu, donc ce qui s'est passé avec Freya, je me rapproche d'elle. Bon, Freya, apparemment, il s'agit d'un décret royal. Je pense qu'il n'est pas bon de le laisser dans les appartements de Tyrion. En ce moment même, il va être fouillé. Je suis en train de réfléchir à toute vitesse. Tu vois qu'il y a des gardes Lannister qui s'activent, qui courent à droite à gauche. Astrée, dans la panique, t'as été bousculé et t'as une douleur qui se réveille au niveau de ta blessure. Et tu vois ta robe qui commence à se tacher de sang. C'est une robe rouge de Lannister, donc ça ne se voit pas extrêmement. Tu vois qu'il y a une tache quoi, qui commence à se dessiner, ta blessure s'est rouverte. T'as été bousculé et tu commences à avoir cette
une grosse tache de sang qui commence à se répandre sur ton corset. Je me tourne, je vois ce qui se passe. Fais attention à vous, Astrée. Et je m'en vais. Et tu te mets à courir et tu cours vers tes appartements. Je vois Freya partir et je me dis que je vais pas la suivre cette fois-ci. On s'est disputé. Moi, j'ai pas envie d'être encore plus mal vis-à-vis de Marjorie Tyrell. Et là, c'est trop dangereux, donc je la laisse toute seule. Moi, dans la précipitation et avec la foule partout, je regarde ce qui se passe. Je vois Freya qui s'en va. Je sais que si on la voit avec moi, c'est dangereux pour elle. Mais je vois Astrée qui a pas l'air d'aller bien, juste à côté. Je me tourne juste vers mon père et je dis « Père, prenez Merrick, prenez les enfants, allez dans nos appartements. » « Bien, mais après, demande aux soldats Lannister s'ils n'ont pas besoin de ton aide. Nous devons être là pour soutenir notre reine dans ce moment difficile. » « Bien sûr. » Du coup, il prend tes enfants et il les amène et tu vois qu'il va choper aussi Nira Roseby. Et elle te jette un regard noir et il l'entraîne noir. « Dame Astrée. » « Daemon. » « Ça a pas l'air d'aller très fort. »« Ça va très bien, je vous remercie. » On oublie, venez avec moi. Il faut absolument recoudre ça, il faut vous changer. Vous allez vous faire repérer. Je pense que votre protégé, si on peut l'appeler comme ça, si on peut l'appeler ainsi, est en danger à l'instant. Elle est plus en danger encore avec moi. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Daemon essaie d'attraper Dame Astrée, mais en fait, tu vois qu'elle se libère, elle se tient comme ça, le dessus du torse, et elle arrive à se frayer un chemin, elle arrive à s'en aller. Toi, t'es un peu coincé entre ces choses-là, et du coup, tu décides de rejoindre ton père. Astrée, tu cours à la suite des gardes. Tu vois qu'effectivement, tout le monde est en train de courir dans le donjon rouge. Tu as quelques minutes d'avance sur les gardes qui vont peut-être débarquer à tout moment dans les appartements de Tyrion. Freya, tu cours dans tes appartements, tu refermes la porte derrière toi, tu vois ton vieux valet qui se relève en grognant comme ça, qui s'approche de toi et il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je lui fais une petite caresse rapide sur la tête et je me mets directement sur mon lit. Je repère avec la fenêtre qui est ouverte des oiseaux qui sont dans l'arbre qui est juste en face. Je me mets sur mon lit et je me wargue dans un des oiseaux qui est dehors. Tu te wargues dans un animal, tu l'as pas très bien repéré, mais en fait, dès que t'es dans son crâne, tu te rends compte que c'est un corbeau, un très gros corbeau, voilà, presque une corneille, qui bat des ailes, qui bat ses ailes noires, qui s'envole très très vite. Tu sais un petit peu où sont les appartements de Tyrion, les appartements du Grand Argentier, et donc tu te déplaces extrêmement rapidement en voltant. T'as presque le vertige, parce que c'est très rare pour toi de prendre possession d'un oiseau, t'es vraiment habitué à Vali, et tu fais le tour du Donjon Rouge pour essayer de trouver les appartements de Tyrion. Toi, Astrée, tu arrives en courant avec ta blessure qui est en train de saigner devant les appartements de Tyrion. J'essaie d'ouvrir, je m'évertue dessus à avec la poignée. Et tu vois que juste à côté de toi, t'entends une petite voix qui te fait « Dame Astrée, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes blessé ?» Il y a Tom, le petit charbonnier qui est à côté de toi, qui fait « Qu'est-ce que vous faites là? Tout le château est en ébullition. » « Tom, est-ce que tu peux me trouver les clés de ces appartements ?»« Pourquoi faire? Pourquoi vous voulez rentrer chez J'ai besoin d'ouvrir la porte de cet appartement. »« Je peux pas crocheter. Pourquoi ?»« C'est important, c'est pour sauver Freya. »« Qu'est-ce que... »« T'occupes, va me chercher les clés. » »« J'ai pas les clés, je peux... » C'est vraiment important. Je pourrais peut-être faire le tour par le balcon là et escalader le ça. Oui, bah vas-y, très bien. Mais c'est risqué, non, je tombe. Allez, fonce, tu vas pas tomber. Avec le corbeau, Freya, tu rentres dans les appartements de Tyrion et tu vois que c'est un bazar sans nom sur son bureau. Il y a l'air d'avoir plein de documents comme ça. Alors, ta perception en tant que corbeau est un petit peu différente. Tu te poses sur le bureau, tu vois qu'il y a le grand livre qui répertorie tous les frais de mariage qui ont l'air complètement ahurissants. Tu vois que effectivement, il y a plein de coffres qui sont posés. Et tu vois qu'il y a un coffre qui est posé sur le bureau avec dessus le symbole de la rose d'or de Marjorie Tyrell. Donc, c'est un coffre qui a été confié par les Tyrell et dont seule Marjorie Tyrell a la clé. Sauf que toi, à ce moment-là, tu te souviens que cette clé en or, tu l'as récupérée sur le bureau de Marjorie Tyrell. La clé de ce coffre personnel, tu l'as même carrément sur toi, sur ton corps qui est en train de se warguer dans l'esprit de la corneille. Je refonce dans mes appartements en volant le plus vite possible. À ce moment-là, Astrée est devant la porte et tu vois trois soldats Lannister qui arrivent et font « Hé, qu'est-ce que vous faites là? Écartez-vous, c'est les appartements du nain, on doit les fouiller !» Excusez-moi, je cherche un maître. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, dans la bousculade, je me suis pris un coup d'épée. Redford, occupe-toi d'elle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Donc tu vois les deux qui...
qui essaie d'ouvrir la porte. Ben oui, c'est fermé. Il faut qu'on apporte un truc pour la défoncer. On va s'occuper de vous, mademoiselle, on va s'occuper de vous. T'entends le bruit d'une chute et d'un truc qui est cassé. Bling dans l'appartement de Tyrion. Et du coup, les soldats de Lannister sont en train de s'occuper de toi, ils se retournent, ils font. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, y'a quelqu'un, ouvrez! Ouvrez par l'ordre du roi, ouvrez! Ils tambourinent sur la porte. On va l'enfoncer! Ils commencent à. Pouf, et les deux, ils commencent à frapper dans la porte. Je fais semblant de m'évanouir et je m'effondre au sol devant eux pour bien attirer leur attention. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vous avais dit qu'elle allait pas bien! Et d'un coup, tous les trois, ils se penchent sur toi. Bon bah, va trouver quelqu'un pour défoncer cette porte! Il y a deux soldats qui s'occupent de toi comme ça, vraiment. On dit, mais oui, elle est blessée! Merde, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi tu as touché? Mais j'ai rien fait! Moi, j'ai rien fait! Et donc, toi, à ce moment-là, tu as récupéré la clé, Freya. Tu es retourné dans la chambre de Tyrion. Et tu vois ce gamin complètement paniqué, on comprend pas trop ce qui se passe. Et là, il y a un corbeau qui se pose sur la table avec une clé en or dans la bouche. Et tu vois qu'il fait. Je lâche la clé devant lui. Tu as ce jeune garçon qui regarde le corbeau complètement hébété, qui prend la clé, qui te regarde avec un air complètement terrifié. Il tourne la clé dans la serrure. À ce moment-là, t'as les soldats à Lannister qui reviennent, là, ils sont tout un contingent, et ils commencent à essayer de défoncer la porte. Vite, tu vois qu'il ouvre le coffre, il récupère le papier, il y a le cachet Lannister dessus, c'est le décret royal, il y a que ça dans ce coffre-là, et il essaie de repasser par la fenêtre au moment où les gardes commencent à défoncer la porte. Tu essayes de récupérer le papier dans sa main, et il Ah non, va-t'en, corbeau, je l'ai, c'est. Va-t'en. Et tu vois qu'il lutte avec toi comme ça. T'as les soldats de Lannister qui défoncent la porte. Elle commence à craquer. Ils mettent des grands coups dedans. Elle est vraiment complètement brisée. Et t'as le gamin qui essaie de te repousser en même temps qu'il passe par-dessus la balustrade. J'ai trop peur de le laisser partir avec ça. Je tente une dernière fois d'attraper le décret, au moins pour le déchirer, pour qu'il reste rien. T'arrives juste à mettre un coup de bec dedans, tu vois ce gamin. Nah, va-t'en, vieille créature. Alors tout le monde l'entend un peu gueuler, mais du coup il récupère le petit papier, il enjambe la balustrade et il te regarde complètement terrorisé. Tu vois qu'il arrive à longer les murs, une chance, il a l'air d'être assez agile, il ne tombe pas, voilà, malgré le fait que tu l'aies un petit peu embêté. Et donc il refait le tour et il reste caché sur le rebord d'une muraille. Tu te relèves en fait, mais tous les gardes, ils t'ont laissé, ils sont tous rentrés dans les appartements de Tyrion. Et lui, tu vois qu'il passe un œil par la fenêtre comme ça, il te voit Astrid et il te tend le petit parchemin comme ça. Je vois qu'il n'y a aucun garde autour de moi. Je le prends et je m'en vais. Je me déwargue tout de suite au cas où quelqu'un essaie de rentrer dans ma chambre. Et tu te retrouves avec Vali qui te regarde sur les genoux et tu te rends compte que c'est Astrid qui a récupéré ton décret royal. Gared, Cotter et Trevor, vous êtes toujours dans la grande cour de Ironbrass. Vous êtes en train de discuter, vous avez une petite pause avant de reprendre l'entraînement. Est-ce que maintenant, on est d'accord, tout est derrière nous, tout va bien, tu lui en veux plus, il a plus besoin de te donner une ration par jour. Non. Bon, je continuerai peut-être un petit peu quand même pour... voilà. Je me suis emporté. Non mais j'ai compris, c'est normal, j'aurais pas dû et puis... Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, c'est un passe-temps, un truc que je sais faire, je suis bon à... D'ailleurs, tant qu'on y est... Et du coup, je sors la carte de Gareth que je lui avais... C'est la fameuse carte sur laquelle avec il y a le baral blanc qui est dessiné et qui localise le bosquet nord. T'as volé ma carte aussi? Alors je t'ai défendu la dernière fois. Je suis désolé, mais... Voilà, il y avait un truc... C'est le dernier souvenir que j'ai de ma famille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, donne-moi ça. Mais il y a un truc qui est marqué dessus, là... Quoi? Alors, je sais pas, mais les gens, ils appellent ça le bosquet nord. Ça a l'air d'être important sur la carte, et... Et alors, tu sais ce que c'est, le bosquet nord? Ouais. Bah, C'est quoi, le... De quoi vous parlez, bordel? Attends, c'est quoi le bosquet nord? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu sais? C'est un endroit, voilà, que moi, je connais. C'est des légendes d'habitude, mais... Explique-moi, c'est quoi quelle légende? Et c'est une forêt, dans une forêt, et il y aurait des grands pouvoirs à cet endroit-là. Voilà. Tu sais où elle est? Avec une carte, tout ça, je... Tu saurais m'y emmener? Oui. Attendez, là, qu'est-ce que... Putain. Vous voulez partir d'ici? Non, c'est pour une expédition prévue... Avec les autres patrouilleurs, mais... Il est hors de question que s'il y a un moyen de partir d'ici, vous m'emmenez pas. Vous avez compris? Vous avez compris?
compris ou pas? Oui, on t'a compris. Juste une chose, il faut que tu restes discret à propos du bosquet. Et lui, il faut qu'il arrête de voler. Oui, toi, il faut vraiment que t'arrêtes de voler, surtout nos affaires personnelles. Ou vole des choses utiles, à l'intendance, j'en sais rien. Tu crois que je le fais pas, ça? Bon, tu me donneras ta prochaine ration également. Ouais, voilà. Et tu dois me guider au bosquet noir. Mais il pourra jamais venir. Il faut que la prochaine fois qu'une expédition est prévue, tu te débrouilles de la façon que tu veux, mais que tu sois amené à venir avec nous. On pourrait du mur. On pourrait le dénoncer comme voleur. Mais non. Mais il serait plus à l'intendance. Je sais ce qu'on va faire. Dans 2 jours, Jon Snow cherche des volontaires pour aller au manoir de Craster. Des anciens déserteurs de la garde y sont installés. Bon, je pense qu'il n'y aura pas énormément de volontaires parce que c'est un peu une mission suicide. Mais c'est à ce moment-là qu'on va attaquer. Attends, qu'on soit bien clair. On parle de déserter, là. C'est ça que t'es en train de dire. Si on fait ça, ils vont venir nous chercher comme les autres qui ont déserté et qui ont tué leur mormon. Écoutez, je vais être totalement transparent avec vous. Je suis pas venu au mur pour y rester, pour y mourir. Je le savais. Je te l'avais dit. Il a pas le comportement de quelqu'un qui a tout perdu. Mais du coup, je peux pas vous demander forcément de venir avec moi. Toi, si. Toi, tu viens avec moi. Mais toi, je te demande pas forcément de déserter le mur. C'est quoi ton plan? J'ai pas vraiment de plan, j'ai pas grand chose. J'ai cette carte, j'ai mon médaillon. Je sais vaguement comment m'en servir, mais je sais pas où est le bosquet nord. Je dois le découvrir. Et si toi, tu sais où il est, toi, t'as pas le choix, tu viens avec moi. À partir du moment où on est de l'autre côté du mur, vous me laissez faire et on gérera ça. Non, mais écoutez, bande de fous. Vous pouvez pas vous permettre de sur un coup de tête de partir comme ça. Il faut réfléchir à quelque chose de... Mais bon, je vais aller parler à Jon Snow. Je vais essayer de le convaincre de passer. Arrête, écoute-moi. Je suis pas du genre à m'énerver ou à dire. Je viens de l'autre côté. Quoi? De l'autre côté du mur? Chut, pas trop. T'es un sauvage. Oui. Si tu veux, je fais partie du peuple libre. Mais qu'est-ce que tu fous là, bordel? Je suis passé de ce côté. Besoin de nourriture, je me suis fait attraper et j'ai été amené ici. T'as vraiment volé des patates? Oui, j'ai vraiment volé des patates, oui. Et d'autres trucs. Ouais. Tu étais au courant quand même que si tout le monde était au courant que t'étais un sauvageon, tu tiendrais pas une heure. Mais attends, ça change tout. C'est-à-dire que là-bas, de l'autre côté, tu sais te déplacer, tu connais les environs, tu pourrais trouver des passages. Mais t'as déjà traversé le mur une fois en plus. T'es déjà allé au bosquet nord ou pas? Non, mais je connais. Je sais que je peux t'y aller. Et t'es prêt à risquer ta vie? Il faut que je passe de l'autre côté du mur aussi. Mais si les sauvageons te croisent, sachant que t'es un corbac, ils seront peut-être encore pires que nos frères ici. C'est un problème quoi, je réglerai à ce moment-là. Putain, je crois qu'on va pas crever ici. Donc toi, t'es prêt à déserter. Comme ça, là, je te l'annonce et tu viens directement. Regarde-moi bien. Il est hors de question que je passe mes putains d'années à crever derrière ce mur de merde. Si je n'ai ne serait-ce qu'une opportunité de vivre loin de cette glace, je la saisis. Je te parle pas d'aller dans la chambre de Cersei, là. Je te parle d'aller au-delà du mur. Dans un endroit probablement extrêmement dangereux. Je suis déjà mort. Tu entends ce que je te dis? Je suis mort le jour où j'ai quitté Dorne. Et ma seconde vie ne me plaît pas du tout. Donc je suis prêt à tout pour me barrer d'ici. Et ben dans 2 jours, t'es volontaire. Tu viens avec moi et John au manoir des Craster officiellement et tu me suis quand je te le dirai. Écoute-moi. C'est l'occasion rêvée, il n'y aura pas beaucoup de volontaires, il y aura peu de gens pour nous empêcher de nous enfuir. Je vois bien le tempérament d'un jeune. Tu viens avec moi? Je crois qu'on n'a pas trop le choix de façon. Ok. Portez-vous volontaire dès maintenant. Allez en parler à John. Et je vous tiens au courant de ce qu'on fait. Roderick, tu as reçu une réponse de Gwyn Whitehill qui a accepté de vous rencontrer, mais elle voulait une rencontre secrète. Elle voulait que cela se fasse sur un terrain neutre, et donc vous avez convenu de vous retrouver dans l'immense bois de ferrugier qui vous appartient, qui fait partie du bois aux loups, et vous vous rendez à cheval, non loin du petit village de Rur, qui est votre village vassal. Et tu as pris avec toi William et Montrose. Tu as laissé, du coup, quelque part la maison Forester sans défense, enfin en tout cas avec personne à sa tête pour la diriger. Vous vous rendez du coup à la localisation
qu'elle vous a donné. Il fait nuit, vous entendez des bruits lointains de bêtes sauvages qui courent dans les bosquets. Et vous êtes tous les trois sur cette petite route à avancer tranquillement au trot sur le dos de vos chevaux. Vous arrivez en direction de Rure et tout d'un coup, le paysage laisse place à une espèce de clairière. Mais c'est très bizarre parce que vous n'êtes pas habitué, enfin vous connaissez la région et vous savez qu'il n'y a pas de clairière à cet endroit. En fait, vous voyez que sur plusieurs hectares, le bois de ferrugier a été coupé de manière vraiment sauvage. Vous voyez qu'il y a tout le matériel qui a été laissé autour de Rure pour couper les arbres, les abattre. Vous voyez des scies, des haches, des charrettes qui ont été montées à la va-vite. Et vous voyez que le bois a été coupé, mais vraiment absolument pas dans les règles de l'art du travail du bois de ferrugier. Où est-il ? Après cette entrevue, envoyons une lettre aux Bolton. Et on leur demandera de venir inspecter le travail que font les Whitehill. Ils veulent toujours leur confier le ferrugier. En mettant en avant la pérennité du commerce, quoi, parce que sinon, après, il n'y aura plus de ferrugier. Sachant que ce plan de bois de ferrugier, qui avait plus d'une centaine d'années, qui avait une valeur inestimable, n'est pas du tout sur leur territoire. Ça vous déchire le cœur de voir tous ces arbres qui ont été atrocement mutilés, en fait, toute cette forêt qui a été presque à moitié rasée. Et donc, vous arrivez au niveau du village de Rure qui a été déserté puisque ses habitants sont venus se réfugier à Ironrass. Vous voyez toutes ces maisons abandonnées dont les toits en foin et en paille ou en bois sont éventrés, tout a été abandonné. Et vous arrivez dans ce petit village extrêmement lugubre dans lequel vous avez rendez-vous mais duquel ne ressort absolument aucun. On avance dans le village, on se dirige vers la taverne. Très bien. Vous arrivez à côté de cette petite taverne comme ça, vous attachez vos chevaux à un poteau, vous entendez un silence de mort qui règne dans ce village, il n'y a pas l'air d'avoir une âme qui vit valorisée. Bah, je suis quand même aux aguets pour voir s'il n'y a pas un traquenard ou un piège quelconque. Comment ça vous répartir comme ça, à vous séparer mais juste de quelques mètres où vous avez l'impression que quelque chose de dangereux va surgir? Je prends juste ma hache. Je la garde pas sur moi, je la prends à ma droite. Je dégaine mon épée et je me prépare à prendre mon bouclier si jamais je me fais attaquer. Et à un moment, vous entendez un peu un craquement qui vient de derrière la maison. Au moment où vous retournez tous comme ça un peu aux aguets avec vos épées dans la main, vous voyez Gwyn Whitehill qui est dans un habit de cavalière qui sort de derrière la maison. Elle a une dague à la main et elle la range. Je vois que vous êtes aussi précautionneux que moi. Je suis content, Roderick, que tu sois venu. Moi aussi. J'ai hâte de parler. Pouvons-nous nous isoler? Ça ne te dérange pas? Oui, allons-y. Je leur dis de rester sur le qui-vive, d'observer, d'être attentif à ce qui se passe. Et je range mon épée. Bon, j'ai bien reçu ton message et j'espère que ma venue ici va te convaincre que j'essaye d'œuvrer pour le meilleur de nos deux familles, tout comme j'avais essayé de le faire avec Duncan à l'époque, pour essayer d'empêcher nos deux familles de s'entretuer. Oui. D'ailleurs, en parlant de Duncan, Duncan est sur le retour. Oui, je sais. Il revient à Ironrass et... Si toi tu le souhaites toujours, j'accepterai votre liaison. Mais Roderick, j'ai vécu une histoire d'amour avec Duncan il y a bien longtemps, mais tout cela est derrière nous et je t'avais fait venir pour que nous parlions de paix. J'ai peur que une nouvelle relation avec Duncan ne fasse que mettre le feu aux poudres. Non, il n'y a pas d'autre solution que de ployer le genou. Tu vois bien que mon père est dans la provocation perpétuelle et qu'il cherche la moindre excuse pour essayer de mettre votre famille à genoux. Je pense qu'il ne faut absolument rien faire pour le provoquer. Garder la tête baissée et ne pas rentrer dans leur jeu de provocation. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement, mais... Comprends-tu que Griff et ses hommes sont dans notre hall? Nous restons quand même chez nous. Nos ouvriers du ferrugier sont harcelés. Maltraité. Griff aime se croire important et dangereux, mais il ne l'est pas vraiment en vérité. Il essaie juste d'obtenir du respect, et je pense que si c'est ce que vous lui donnez, il ne vous posera pas de problème. Les choses risquent de s'aggraver, Roderick. Je t'ai fait venir parce que je sais que mon père envoie des quantités astronomiques d'argent à quelqu'un à Port-Réal. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec, mais ça ne peut que concerner notre situation, et je pense qu'il était important que tu le saches, et que Freya le sache. J'enverrai un corbeau à Freya pour savoir si elle a plus d'informations. Penses-tu que c'est peut-être pour une armée? Tout est possible. Je sais pas, mon père reste très mystérieux par rapport à ça. À ce moment-là, vous entendez au loin comme des cris d'une troupe, des bruits de cavaliers, mais vraiment au loin. Quoi. Mais vous entendez? Et là, il y a l'écho de cette troupe qui arrive. Vous entendez qu'il y a des cavaliers qui arrivent, quoi, à bride abattue. J'ai
tout de suite supposé que Monron se dirigeait vers les chevaux pour les préparer, quoi. Donc je dis à Roderick, nous devons partir. Ça doit être les hommes de mon père. Ils ont dû comprendre que j'étais parti, ils doivent être à ma recherche. Va-t'en, Gwyn. Cache-toi, rentre chez toi et on s'en occupe. Elle te prend à part comme ça, elle t'amène, elle t'éloigne un peu, elle te dit, Roderick, essayer d'empoisonner mon frère, ce ne sera pas une bonne idée. Ça ne mettra que le feu aux poudres, essayer d'empoisonner le vin. Je te dis, garde la tête baissée, ne cherche pas à créer plus de danger, d'accord? Je peux avoir ta promesse, que tu feras tout pour la paix. Promets-le-moi. Et tu entends la troupe qui arrive, qui sont à moins d'un kilomètre. Roderick, je te promets. Bien. Roderick, il faut que tu fasses attention. Te prends vraiment à part comme ça, elle te dit, il y a un traître dans ton camp. Quelqu'un qui envoie des rapports réguliers à mon père. Qui explique tout ce que vous essayez de faire. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai vu des rapports. Merci de me le dire. Je vais être discret, prudent. Maintenant, rentre chez toi. J'espère que nous nous reverrons dans des conditions plus calmes. Et hop, tout de suite, elle remonte son cheval et là, elle repart au galop, elle le fouette et elle s'enfuit retrouver les hommes qui étaient à sa poursuite. King is gone away. The bells are tolling for winter's hounds, and it is no brave enough to make tomorrow a glowing day. Here's your mother. Mais c'est risqué, non, si je tombe, Allez, fonce, tu vas pas tomber. Fin de tes persuasions. Franchement, si le gosse meurt pour ça... Persuasion. 4, et j'ai 1 B, 1 incité. 1 charmé, 1 incité. On va prendre incité, voilà, c'est très bien. On pas à charmer. Bah non, ils ont fou de what. Oui, mais charmer, c'est pas forcément... Non, de toute façon, c'est l'un ou l'autre, mais incité, c'est très bien. Va faire le kamikaze là par le. Va! Allez, va crever! Ah. 10, 14, 19. Wow. Putain, mais c'est quoi ces ça? 22. Ok. Les 4 meilleurs. Arrête de te péter, prends le 4D. Waouh! Il va en courant le gars, hein. Est-ce que Tom va mourir bêtement, messieurs dames? Oh, le pauvre chat! C'est pour toi, hein. Mais elle s'en sort très bien toute seule. Toi, Oui, mais la fenêtre est peut-être pas ouverte. Il fallait faire 12, j'ai fait 14. Il serait pas mort, il serait pété les gens. Il aurait peut-être du chat. Il fallait pas faire quoi? Il fallait faire 12, j'ai fait 14, donc c'est bon. Ok, donc j'ai ça. J'ai trop peur de le laisser partir avec, avec ça. Je préfère donner encore un coup de bec dans le. Je suis crève les yeux. Il est sur la balustrade. C'est pas grave, Gaëtan. Et tu te rends compte que c'est Astrée qui a récupéré ton décret royal. On va couper là. Superbe. Tu vas faire la pute avec ça ou pas? Bah évidemment. C'est vraiment une connasse. Gnarc, gnarc, gnarc. Oh damn! Non, c'est pas vrai, j'envoie pas du tout des messages, quoi. C'est pas vrai. Le maître, c'est un bâtard. Pourquoi le maître?
Bah parce que au moment de. C'est vrai que ça qu'il est... Au moment où on a parlé du poison. Ouais. Non, au moment où on a parlé du poison, on était 5. Ouais. Non, il y avait Ethan. Oui. Oui. Il y avait 4. Il y avait Elena.